pourquoi ne pas militer ardemment pour un prêt, pour aller jouer en national, à défaut de la Ligue 2, mais au moins un échelon supérieur. On sait que les joueurs de national, c'est déjà autre chose. Sachant que vous avez un contrat à longue durée avec le FCL, vous nous le disiez encore 2 ans après celle-ci, vous pourriez très bien aller faire une expérience enrichissante en termes de jeu, pour vous exposer également. Vous ne voulez pas militer plus que cela? Parce que vous nous dites dans l'émission, vous nous dites bah oui, il y a eu une opportunité, mais finalement, avec le club, on a discuté. Mais alors, qu'est-ce que le club vous a dit pour dire bah non, reste, on va te faire jouer. Alors, et vous ne jouez pas? Oui, voilà, ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Donc, j'en parle autour de moi avec mon entourage, on discute pour savoir comment ça se passe l'année prochaine. C'est vrai que si on parle avec le club et que le club ne mise pas sur moi, bah, j'essaierai d'avoir du temps de jeu autre part. Et donc, idéalement, la Ligue 2, bien évidemment, qui se rapproche plus de la Ligue 1, vous n'escomptez pas un prêt en Ligue 1, a priori? Enfin, dites-nous si nous sommes déraisonnables de voir ça comme ça. Par contre, entre Ligue 2 et National, est-ce que là, le fossé n'est pas tel que, à la limite, l'un ou l'autre, ça a peu d'importance? Ça se rapproche plus de la Ligue 1, déjà. C'est pas pareil que la CFA, je pense. Et ça fait une expérience en plus. Si tu joues, par exemple, 20 matchs en Ligue 2, on va dire, et 20 en CFA, c'est pas la même donne. T'as une expérience en plus, tu vois un peu le rythme commencer, c'est pas pareil. Donc vous allez vous poser vraiment la question, là, dans l'intersaison, entre juin et juillet, là, avant la reprise, de savoir ce qu'il entend véritablement de votre cas. Ouais, on va voir comment ça se passe, la préparation, on va discuter, on va voir comment ça se passe. Pas question de revivre une saison, une nouvelle saison comme ça en réserve? Oh non, moi j'ai pas envie, non. Non, bon, c'est tout à fait lucide. Il joue le jeu pour l'instant. À un moment donné, il faut savoir aussi dire, bon bah écoutez, moi je veux jouer, je... Tout à fait. Ah là, du coup, vous êtes fâché, vous voulez plus répondre? Tout à fait, Laurent. Non. Non, mais il y a Laria Azouni, par exemple, qui était au FC Lorient la saison dernière, qui là maintenant essaie de se relancer en Ligue 2, et je crois qu'il est du côté de Nîmes. C'est un peu compliqué pour lui, mais il a eu sa chance, également Laria Azouni. Donc effectivement, ça peut être une solution que d'aller voir en Ligue 2 nationale. C'est peut-être un petit peu, tombe peut-être encore un petit peu en dessous, mais voilà, quand on a le parcours de Pierre, qu'on a suivi une formation assez linéaire, qu'on a connu des sélections en U19 avec l'équipe de France, ça peut intéresser des équipes ambitieuses de Ligue 2 de première partie de tableau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi vous ne jouez pas? Est-ce que c'est votre jeunesse, votre manque d'expérience, mais qui s'explique par la jeunesse, qui fait barrage? Ou est-ce que parce qu'il y a devant vous des plus cadrés, des plus expérimentés? Oui, toutes ces raisons. Moi, je discute avec le coach aussi. On parle de ça. Et il y a du monde au-dessus de moi, il y a une hiérarchie. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans une situation qui est l'idéal pour moi pour me lancer. Donc il y a des joueurs pour ça et ils font le travail. Et moi, je suis derrière eux, je continue à travailler même si je ne joue pas. Ouais, c'est vrai que la position du club au classement joue beaucoup aussi dans la possibilité pour un coach de faire émerger de jeunes joueurs. Ça fait partie des arguments qu'il vous donne. Oui, ça fait partie. Ouais. Bah, après, c'est peut-être un risque aussi de faire ça. Après, je ne sais pas ce qu'il en pense, ou truc comme ça, mais... C'est vrai que la position du club, c'est pas idéal. Et aujourd'hui, vous vous sentez, vous le dites, je suis patient encore, mais attention, à un moment donné, raisonnablement, il faudrait que je parte. Patient, j'ai du mal à l'être, parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire de mes preuves, donc mais il faut l'être, faut savoir attendre, et quand l'opportunité se présentera, à moi de la saisir. Pas de question de cirer le banc pendant 3 ans, comme d'autres le font, plus âgés, peut-être plus expérimentés, mais qui ne jouent pas non plus et qui ne partent pas. Ouais, faut voir. Faut voir. Ouais. Ah, petite place au chaud sur le banc en Ligue 1, ça, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal étant les 18, c'est quelque chose de très bien déjà. Après, faire des rentrées, c'est encore mieux. Après, être titulaire, c'est autre chose. C'est ambigu, c'est difficile hein, quand même de se positionner. On sent bien l'envie de jouer et en même temps la difficulté des statuts, des contrats, des perspectives. Merci d'avoir... Cherchez à répondre quand même à ces questions, Pierre Lavenant. Vous souhaite une belle fin de saison, la meilleure possible. Merci encore à Kevin Le Gall de nous avoir accompagnés. Thomas Lavaux, vous revenez quand vous voulez. Oui, Kenavo.